Allez, bim. Bim. Alors, faut que je tweet. On tweet. Et bon. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Allez, bienvenue, les amis. Alors, faut que je mette ça là. Hop, que je mette bien mon micro. Eh, bienvenue les amis. Alors attendez, on va mettre ça, c'est un peu gros, il faut que je diminue cette fenêtre là. On va mettre la scène, on met Minecraft devant parce que c'est mieux. Minecraft, ouais, c'est parti. Allez, bienvenue ceux qui sont en train d'arriver. Bienvenue sur le petit live du lundi, sur mon petit monde solo en hardcore. Et vous allez voir aujourd'hui, et c'est pas une blague, on va se faire un truc bien sympa. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on ait le temps de le terminer, mais on va se faire un petit manoir. On va se faire un manoir. Voilà. Alors attendez, j'ai l'impression que j'ai un bug, non? Ah non, ça va, je crois que j'avais un petit bug. Tout va bien, tout va bien. Alors, faut que je remette ça devant. Et c'est parti, mon kiki single player. Ça, c'est la copie de sauvegarde, donc ça, c'est bon. PlayStation World, ça, c'est l'original. Voilà, mon monde en hardcore, en original, bien sûr. Disons, ma pelle est fort abîmée. Miam miam, c'est pas quoi. On va faire ça. On va aller réparer les outils vite fait. Je regarde, tout va bien, tout va bien. C'est quoi ça? Ouais, on peut les ranger d'abord. On peut les ranger d'abord. Bienvenue. Salut Chrisa, Monsieur Corpsi, Escalibert, Docteur P. Bienvenue, bienvenue les amis. Alors, bah, pas de blague aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait plein de trucs, j'ai pas arrêté, j'ai pas eu le temps de faire de blagues. Voilà. Ah, et puis, bon, on n'est pas obligé de faire des blagues tout le temps le 1er avril. C'est pas une obligation. Blackstone. Comment ça se fait, j'avais ça sur moi. Je sais plus. Bon, j'ai de lui faire aussi que je peux ranger. Garde pas tes fusées dans la main, toi. Ça rend sourd. N'importe quoi. Ferme. Et tout le reste, en vrai, tiens, si je mangerais ça en premier dès que j'aurais un petit peu faim. Voilà, puis ici, il y a ça aussi à ranger qu'on n'en veut pas. Je vais mettre les torches à la place. En attendant. Salut, Minecraft pour débutants. Bienvenue. Allez, on va passer un bon moment. Ah, oh, c'est bien, Chrisa, des petits poissons. Ah oui, oh que oui. Salut, JJB. Ah ouais. Moi, je m'entendais bien avec Zephyr. Quand il avait fait son tour d'Europe, hein, qui était parti du Canada, il était venu, je l'avais accueilli à la maison. Et on avait passé un bon moment, c'était vraiment bien sympa. J'avais bien aimé. Du coup, la cobble, on va la ranger. Parce que je n'en ai plus besoin pour le moment. Pareil, ça, c'est de la smooth. C'est considéré, c'est de la stone, hein, de la smooth stone. Ah, bien sûr. Tiens, il y a des trucs là qu'on va mettre là-dedans. Ça, on va ranger ça. Tiens, dans les outils. Bah, ouf, je n'en ai plus besoin pour le moment. Là où est là. Par contre, je suis inquiet. Qu'est-ce que j'ai fait de mon under chest? J'ai dû le laisser. Surtout qu'en plus, j'en avais deux et c'est bizarre ça. C'est bizarre, mais c'est pas grave. Coucou Cédou, qui a offert un sub à Chrysalia, mais c'est trop gentil. Merci beaucoup à toi Cédou, gros bisous à toi. Ouais, qu'il a offert de 12 mois d'abonnement. Voilà, comme ça c'est offert. comme ça c'est fait. Voilà. Voilà. Salut Matorne, salut à ceux qui arrivent. Salut H, bienvenue les amis. Salut Clickrome.
Bienvenue à tous. Alors, donc on a dit que la smoothstone, on allait la mettre là-dedans. Alors vous allez voir, on va faire les plans. Je peux garder la dirt pour l'instant. Non, pas la dirt, parce que les plans, on va les faire avec autre chose. On va se faire les plans d'un petit manoir et on va faire un petit manoir. Oh que oui. Alors un lit hein, pour aller dans le nether, hein, ne pas oublier, très important. Parce que... Oh c'est tout ce qui me reste. On va voir, ça va peut-être être chaud. Oh c'est tout ce qui me reste. Bon on va voir. Alors, décidément, c'est un peu la misère dans tous ces trucs là. Là les. Ça je vais mettre là-dedans. Bon là on a à manger, on garde. Ça faut que je mange ça en priorité. Et par contre, where is my yonder chest? Soit j'en ai un, mais ça c'est celui qui reste là. À tous les coups, il est resté. Là-bas. Ah, puis il y avait le chemin du Nether aussi. Ah, il y avait le chemin du Nether. C'est vrai, j'avais zappé ce truc-là. Ah, mais moi je voulais commencer à faire un manoir. Remarquez, ça va vite un chemin dans le Nether. Je n'ai pas laissé mon Ender Chest par là. Hein. Ça m'étonne. Ou alors je l'ai laissé dans le Nether, du coup. C'est ça l'histoire. C'est vide là-dedans. C'est normal. C'est la maison du maître chien. Je pense qu'on va se faire un joli manoir par ici. Là, il y a de la place. Il y a de la place, en vrai. Oh oui, là, l'endroit s'y prête bien. Tac, avec une tour. Un corps de logis juste à côté. Il y a de quoi se faire un truc assez sympa ici. Puis ça meublera le village qui deviendra de plus en plus gros, bien sûr. Voilà. Ah, ouais. Ouais, j'avoue que cette mort dans le Nether a été quand même épique. Mais c'est arrivé récemment à Little Big Well. Alors je sais qu'elle fait pas beaucoup de Minecraft normalement. Ah, elle fait plus du PUBG et compagnie, mais... j'ai dit, oh, tu vois, ça arrive à tout le monde. J'étais mort de rien. Voilà. Oh, Joby Joba, coucou mon gars là. J'espère que tu vas bien. Voilà. Et merci à toi, à l'ami Paulin. Qui est à reçoit pour son cinquième mois. Merci beaucoup. Alors, j'ai mon casque en or. J'ai tout ce qui va bien. Est-ce que je... Bah, d'ailleurs, du coup, je vais quand même récupérer ma houe parce qu'il faut que je trouve... Ah, bah, c'est pour ça que j'avais des blocs comme ça, moi. Ah, mais bien sûr. Du coup, cobble. Tac, tac, tac. Bon, on va se finir ce chemin vite fait, bien fait. Au moins en mode tout droit. Et puis, comme ça, on sera tranquille avec ça. Alors, du coup, c'était des blocs de smooth stone que j'avais mis. Smooth sandstone. On va s'en prendre... sandstone. Ou c'était de la sandstone normale que j'avais peut-être mis. Ah, c'était peut-être de la sandstone. Bon, on va voir. On va regarder ça. Toc, toc, toc. De toute façon, j'ai ce qu'il me faut. On va aller voir. Je me rappelle plus. Voilà. Mémoire de poisson rouge. On change pas une équipe qui gagne. Voilà. Salut Nesseb. Voilà. Salut à ceux qui veulent. Pas de blague du premier. Oui, j'ai mangé un peu de chocolat. Pas beaucoup, mais un petit peu, j'avoue. Je plaide coupable. J'ai mangé un peu de chocolat, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, on faisait le chemin pour aller directement à l'usine à mob. D'ailleurs, ah oui, puis ça c'est l'autre chemin, mais ça. Alors donc mon endurance c'est là. J'ai peur. Ah oui, c'est des grilles en fer qu'on avait mis. Ok. Sauf que le chemin. Est-ce que vous vous rappelez à combien il fallait que je m'arrête en coordonnées? Bon, moi, je m'en rappelle plus. Crotte de biche. Eh ben, on va aller voir. Il fallait que je passe par ici. Hop. Ça, c'est un point de repère. Faut que je le laisse là. Voilà, on va aller voir à quelles coordonnées. Ça, c'est pas beau. Faudrait le virer.
Bon, faut que je sois attentif et que je fasse attention. Hop, hop. En tout cas, je me rappelle que la hauteur était bonne. Voilà, ça lui laisse pas. Tiens, on va manger les cochons quand c'est... quoi. C'est bon, petit cochon grillé. Ouais, ouais, ouais. Bonne fête de Pâques, hein, bien sûr, à tout le monde. Hop, hop, et hop, et hop. Voilà. Alors, si on est là, F3. Le centre, on peut le faire arriver genre par là, admettons. Ouais, même à 198, centrer là-dessus, c'est pas mal. 198, allez, moins 198, bien sûr. Ok. Alors, on retire le F3. Et donc, on va jusqu'à moins 198 pour les dalles. Hop. Non, le manoir, c'est en plus, c'est pour mes sbires, là, c'est pour mes PNJ, le manoir, tu vois, c'est parce que, voilà, ce sont des vassaux. Oh, là, il me fiche la trouille à chaque fois, ces bestiaux. Voilà, il faut pas le checker. Si je dis que je suis mort un 1er avril, les gens vont dire, ah, mais non, fait exprès ou quoi? Donc on va pas faire les idiomètes. Je vais passer par là, par là, par là. On va remonter Crotte de Beach. Par où est-ce qu'on remonte? Je suis bête. J'ai une porte d'entrée, bien sûr. Voilà. Hop et hop. Voilà. Porte d'entrée. Nous avons donc besoin, chers amis, de ceci. Et donc on va jusqu'à moins 198. Bah attendez, on va se tirer un trait jusqu'à cet endroit là comme ça on verra bien. F3, je suis en combien là? Oh, c'est pas si loin, hein. Il y a une vingtaine de blocs et puis c'est tout, hein. Alors, attendez, on va aller tout droit comme ça. Bon, il y a des trucs, le F3 va me saouler, hein. Je le sens bien, puis évidemment il va y avoir des arbres devant, sinon c'est pas drôle. Ok. Alors, ça a été le déménagement aujourd'hui à la maison. Oh purée. Je vous dis pas. Bon, enfin, il y a pire dans la vie, mais. Voilà. Comme j'ai ma fille qui revient. J'ai ma grande qui revient vivre à la maison. Oh purée. Ah, j'ai pas repris mon... Attendez, F3, je suis à combien, de toute façon? 200... Ah oui, si, il va falloir creuser, hein. F3, hop, hop, allez, on y va. Je vais prendre ma... Ouh! À ma... Ouh! Alors, pan... où est-elle? Elle est là, ma... Pan, 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 ça c'est bon. On va dégager un peu le chemin. Ça va, Al? Coucou Mélodie, coucou à tous ceux qui sont arrivés. Bienvenue, bienvenue. Allez, on va creuser un petit peu ici, là. Voilà. Ouais, c'est bien. Je vais la récupérer, ça tombe bien. A toujours besoin de ces trucs là. Allez. Bon, ça on s'en fiche un peu, hein, des trucs de couches comme ça. Mais... Et encore, quoique, faut quand même en garder un petit peu. Ça mange pas de pain. Hop, heureusement que ça mange pas de pain d'ailleurs. C'est embêtant. Crotte de Beach. Ok. Ah,
ça faisait un moment en fait, toute façon, que je voulais construire autre chose d'un peu plus gros qu'une maison. Ok. Intérêt à faire attention. Faut pas que je fasse trop le tchakou, moi. Maou, elle est là. Ok. Faut que j'avance un peu. On va avancer un petit peu. Hein. Comme ça. Je suis pas super rassuré. Ok. Je ne suis pas super rassuré. Comme ça, l'air froid de prendre des risques. Comme ça, on va y aller doucement. Ok, ça, ça va là. Si, bah, de toute façon, ça aussi, faut que ça vire. Puisqu'il va y avoir des murs sur les côtés, bien sûr. Ok. Il y a des trucs qui sont à l'intérieur. Ah oui, j'avais juste fait comme ça. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est bien, ça, c'est bien. Bonne idée. C'est tout ce que j'ai là, comme bloc. Je vais refaire tout de suite. On va s'en refaire tout de suite. Coucou Dine. Salut Thèse. Ou Thésée plutôt. Voilà. Voilà. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end de Pâques, bien sûr. Et mon raid. Qui me raid? Mon raid. Qui me raid? Bon, je te refais un gros bisou à Raid, puisque je t'ai vu tout à l'heure. Tagazou gazou. Enfin, je t'ai vu. On a vu que tes mains. Hein? Et puis tes armées de peinture War Armor. Oh, voilà. Et puis en plus, mon raid. Voilà. Super. Merci beaucoup, mon raid. Oh, si, j'ai eu un truc qu'il faudra qu'on voie pour les maisons, pour le quartier pauvre de Jérusalem. J'aurais besoin de tes services. Voilà, à savoir, mais ça on en discutera, voir est-ce que les maisons étaient collées, parce que, quand même, hein, ou alors, est-ce qu'elles étaient espacées, tout ça. Et donc, du coup, voilà, avoir tes lumières au niveau archéologie, et tout ça, voilà. Oui, voyez du verbe voyer, très important, très important. Voilà, donc, il faudra que l'on voit ça ensemble. Cher ami, voilà. En tout cas, je te fais des gros bisous et merci pour ton resub, c'est super gentil. Oui, c'est ça que je voulais faire, les amis. Tac, 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 tac. Et comme on en aura pensé, je le sais bien, on va s'en refaire encore un petit peu. Et bim. Voilà, alors lui, pourquoi il est tout seul? Non, on sait pas. Non, bah, c'est bon, je vais regarder un. Voilà. Pour les puits. Ça veut dire quoi pour les puits? Je comprends pas. Ah oui, pour les puits, voir est-ce qu'il y avait des puits ou quoi à ce moment-là. Alors, j'ai étudié les trucs. Je sais que Hérode et tout ça, ils ont fait construire des fontaines et qu'ils avaient fait construire d'autres trucs. Donc on verra. Alors, attendez, là j'ai un peu peur là. Je suis à combien là, F3? On est en moins 204. Faut aller à 198. Ça va aller 3. Toc, toc, toc. J'aurais dû laisser le F3. 199, j'appuie bien sur le sneak. De toute façon, j'ai mes élytrages. Donc là, je suis en moins 198, hein, c'est ça? Oui. Donc du coup, là, je repars tout droit par là. Hop, hop, hop. Hop, hop. Voilà, donc là on part comme ça normalement. Hein. Normalement c'est ça. Attendez, F3. Je regarde. Hein. 198, 197. Et le dernier qui est là. Et là on va tout droit. Et si on va tout droit, logiquement, on va arriver. Attends, on va faire des vues. Comme ça d'abord, parce que quand je suis au-dessus de la lave. En mode hardcore et en sneak sur des dalles. Voilà. Je suis jamais extrêmement rassuré. Forcément. Alors on va y aller tranquillou. Hein. Coucou Vivi.
Coucou à ceux qui sont en train d'arriver. Bienvenue sur un live de la joie, de la bonne humeur et tout ça, et tout ça. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà. Donc on fasse pas les idiots bêtes. Hein. Ok, ça on vire. Là, ok, ça va tout droit pour l'instant. Je ferai la deuxième ligne après, on va déjà aller jusqu'au bout. On va voir si on tombe bien, mais d'après mes calculs savants mathématiques et géométriques et trigonométriques, normalement, on devrait tomber, pile poil, pas trop mal, normalement. Hein. Voilà. Râlez pas les gars, j'ai un casque en or, donc normalement c'est bon. Voilà. Donc là, effectivement, prête. Je sais qu'il y a de la lave en dessous, je suis jamais... C'est comme quand t'es dans l'End, au-dessus du néant, des ténèbres. Ça fait toujours un peu flipper. Surtout quand t'as qu'une seule vie. Ah, super. Et que t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Aucune erreur n'est permise. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui se faille quand même de temps en temps. C'est même un miracle que j'ai tenu aussi longtemps sans mourir. Bon, je commence à avoir l'habitude de jouer en hardcore, mais voilà. Bon, puis bon, j'ai un totem quand même. Et le totem vous sauve pas de tout, hein. Ouais. Je récupère ce bloc-là. Ouais, c'est gratuit. Tiens, des mushrooms, je vais en avoir besoin en plus. On va en avoir besoin un petit peu, donc... Bon, si on a besoin, on les farmera ultérieurement. Tac. Tac. Allez, on récupère tout ça, c'est gratuit. Hop là. Ils sont fâchés, les bétails. Hein. Ah, mais j'ai dit que j'allais tout droit, puis après, on bouge, c'est plus facile. Allez. Ah, c'est fermé. Content les dinos, hein. Oh, ils sont en train de se battre. Regardez, il est en train de se battre. Ils sont en train de se battre. Merci Al. Ouais, exactement Al. Comme dirait notre ami James Bond, mourir peut attendre. Ouais, regardez, c'est un archer. Est-ce qu'il va faire la danse de la joie? J'espère qu'il va gagner. Contre le cochon. Oh, attendez, on voit rien. Mais non, mais revenez les gars. Parce que des fois, ils font la danse, là, en écartant les bras, ils sont trop bien, c'est trop marrant. Ouais. Bon, ils font la tête. Eh ben, continuez à bouder, tant pis. Ce que tu veux que je te dise. Même pas drôle. Allez. On écarte tout ça. Ça, c'est bon, un petit coup de ça. Attendez, il y a un truc qui me saoule depuis tout à l'heure. Ça va mieux ici, voilà, comme ça c'est mieux, c'est à côté de la hache, c'est mieux quand même. Il se refight encore, hein. Comment il fait pour le louper? Je sais pas comment il fait pour le louper. Il l'a tué ou pas? Pas encore. Si, regardez, il danse. Oh, trop bien, il fait la danse de la joie, regardez. Ouais, il est content. Ouais. Ça me fait rigoler. Quand ils font ça, les bestiaux, là, je trouve ça rigolo quand même. Ok. Ça c'est bon. Là, ça craint pas. Non. On va se récupérer les mushrooms. Je suis pas sûr d'en avoir des masses. Bon, ouais, c'est pas mal. On déglingue tout ce qui est là, hein. Pas besoin de tout ça, madame Chanchon. Ok.
est-ce qu'on est là? Ici. Hop. Je prends pas de risque. Hein. Enfin, pas trop, quoi. Voilà, une fois qu'on aura la plateforme qui sera faite, hein, ça ira déjà mieux. On sera moins stressé. Enfin, surtout moi. Je sais bien que vous attendez qu'un truc, c'est que je me croûte. Non, pas tous, pas tous. Il y a toujours quelques-uns, hein. Il y a toujours le petit coup d'adrénaline. Oh, on est en hardcore. Donc, pas faire quand même trop les fifous. Ok, là on est bon. Paf. Là, je vais avancer tout droit. C'était si loin que ça, ouais, peut-être. Allez, on avance. Il y a l'Enderman qui fait tout pour que je le regarde dans les yeux, bien sûr. La grande classique. Qu'est-ce que j'aime pas quand il y a de la lave en dessous, purée. Bon, après, c'est à moi aussi de prendre des potions. Bien sûr. J'en ai même pas pris sur moi. Crotte de biche. J'en ai en plus, hein, des potions. Hein. Des potions anti-feu. Ok. Ça, c'est valide. Oh, purée. Oh, purée. Tac. Tout ça, on récupère. Ok. Ouais, ça va me saouler, j'ai l'impression. On va déglinguer un petit peu ça, un petit peu ça, un petit peu ça. Mais de toute façon, avant la fin du live, rassurez-vous, bien avant, on se fera les plans d'un manoir qui devrait être cool. Il faut que j'arrive à pas faire trop gros. Qu'il en impose un petit peu, mais qu'il fasse pas plus gros que le château, bien sûr. Quand même. C'est le concept. Ah, ça c'est pas prévu. Zut. Je peux pas boucher ça? Si, bien sûr que si. Allez, arrête de couler la vieux là. Eh dis donc, eh, on a fermé le. On a fermé les écoutilles là. Bah, comment ça se fait? J'ai fermé le. Bah, attendez, je comprends pas. Des fois, je comprends pas. Merci, merci Patrick Ruel, Patrick Truel, je devrais dire, merci, qui a reçu pour son sixième mois. Voilà. Bon, bah, des fois, vous voyez, puis là, ça y est, ça s'enlève. Va comprendre, Georges. Ah, si, c'est parce qu'elle est là. Ok. Hop là. Voilà, il fallait trouver le bon endroit. Ici, on va percer ça. On va percer. De toute façon, il faut que je dégage cette partie-là. Quelle hauteur? Là, normalement, ça devrait pas être mal. On sent qu'il y a de la lave en dessous. Hein. Bon, alors. Donc, attention, les amis. Attention. Ok. En espérant qu'il n'y en ait pas ici. Ça a l'air d'aller. Ok. Normalement, on n'est pas très loin. Enfin, je pense. J'imagine. Faut que je perce au moins 3. Et même le côté, hein, qu'on laisse un petit peu dégagé. Bien dégagé derrière les oreilles. Très important. Ok. Hop. On avance gentiment. Je vais en avancer. J'avais même pas réparé mes outils. Bah, de toute façon, vaut mieux les user d'abord et qu'on les répare ensuite. Ce sera mieux. D'ailleurs, là, j'ai avoir 3 de large. Purée. Ouais, on va là-dessus. Hein.
de dingue. Je suis pas super rassuré, hein, comme vous pouvez le constater. Alors, salut Tommy Star. Est-ce que ça a un rapport avec Starfield? Puisqu'il y a un Varun qui s'appelle Tommy Zar. Je sais pas, peut-être. En tout cas, salut à toi, bienvenue. Ça va, sorcière? Ah. Oui, je suis assez connu pour le bruit de Minecraft. Voilà. Bah, de toute façon, après, alors, et puis surtout, en plus, je fais souvent des trucs en survie. Voire même en hardcore, là, je suis dans mon petit monde solo en hardcore. Après, on va faire un petit tour. Mais n'hésite pas à checker ma chaîne YouTube et de regarder, par exemple, ma vidéo sur mes 10 ans, quand j'avais eu mes 10 ans de Minecraft et mes 200 000 abonnés. Et il y a une bonne partie de mes constructions dans Minecraft sur ma chaîne YouTube. Tu vas voir, c'est une vidéo qui est sympa. Où, voilà, t'as une bonne partie des guides. Oh, il y a trop trousse là. Il y a trop trousse là. C'est quoi que ça... Déjà plein. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah oui, mais alors attendez. Parce que moi, je veux garder le quartz. Je veux garder le quartz. Est-ce qu'il faut que je mange? Non, faut pas que je mange. Ça, j'en veux pas. Sauf que c'est pas ça que je veux. Voilà, moi, c'est ça ce que m'intéresse le plus. C'est le quartz. Faut le garder. Je vais peut-être en avoir besoin après. C'est d'abord on creuse et après éventuellement on rebouche. Hein. Hop là. Éventuellement. Hop là. Ok. Purée. Là par exemple sur cette saison de Minecraft dans mon petit monde solo hardcore, j'ai fait un château, une abbaye, tout ça tu vois. Et puis là, bientôt, on va attaquer un manoir. Je vais juste terminer mon petit chemin dans le nether, là. Ouais, je devrais faire le dessous d'abord. Oh! Ah, regardez ça! On va arriver pile poil, j'ai l'impression. Hein. Par contre, il y a encore à survoler les endroits craignos. Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Je pense qu'on va se vider d'un peu de trucs sur nous. Bah déjà, on va mettre ça là, 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 là. Ok. Allez. Ah oui, mince, c'est vrai, 1, 2, 3, il faudra creuser 2. Je devrais pas faire ça. Bon, ça va, c'est loin. C'est quand tu t'es pas arrêté, que t'as pas mis de barrière. qu'on fasse pas de blagounette. Je vais aller au moins jusqu'à là. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Et donc, j'ai 1 et 2 qui vont là-bas, c'est ça. Je crois que je peux aller quasiment jusqu'au bout. Si je ne dis pas des bêtises. Ok. J'en ai plus du... Bon, si, il y en a. Crotte, par contre. Il va falloir que je recrose 1, 2... Ah, juste 2, 1. Bon, ça ira. Bon, pour l'instant, c'est pas sécur. Hein. On va pas faire trop les kékés, hein. Pour l'instant, c'est pas du tout sécur. Et ça vous fait rire? Oh, un peu, ouais, un peu. On va se vider un peu hein, du brin. On a du brin là. Je pense que je vais reprendre en tête. Coucou Anaïs! J'avais pas vu! Tiens, d'ailleurs, bah, on va arriver au château. Hein. Si monsieur est d'accord. Je sais pas où je suis là.
dans les méandres du néant. Enfin, voilà, ça c'est ma première maison, je suis arrivé. C'est bien, hein. Voilà, cour du château. Alors ici, là, c'est le petit village qu'on commence à construire. Ah ben, je suis bête, j'ai un mode spectateur F4. Alors, mon corps est toujours là, qu'il faut qu'on fasse attention. Voilà, mon petit châtal. Voilà, un châtal des châteaux. Vite fait, hein. Bon, vite fait, de nuit, c'est bien aussi, de nuit. Vous voyez assez clair, de toute façon. Hein ? Voilà, une petite abbaye à côté, avec l'abbatiale, bien sûr. Voilà, le moulin, la maison du meunier, tout ça. Le petit pompon qui sort du châtal. Voilà, vite fait, de nuit. C'est plus joli de jour, mais bon, voilà, pas que ça à faire. Sorcière, fait rien, sorcière. Voilà, c'est la salle du trône, hein, bien sûr, pour faire popo, très important. Tout ça, on va plus, on met tout ça là-dedans. Si d'accord, d'ailleurs, le gold, je vais le mettre dans divers nether. Allez, divers nether, on va mettre ça, on va mettre ça, tout ce qui est warp. Par contre, ça aussi, on va le mettre. Le quartz, normalement, il y a un truc prévu à cet effet, bien sûr. Les mushrooms, je l'ai peut-être mis là-dedans. Ouais, il y en a. Allez, on les met là, les mushrooms. Ah non, je vais en avoir besoin. Les shroom light pour les lumières, les petites lumières, on va en avoir besoin, faut les garder. Pour les plafonds, bien sûr. Alors, Crimson Warped, tout ça, ça va là-dedans, et ça va là-dedans. Parfait. On peut manger notre cochon grillé, très bien. Bon cochon grillé, très bon. Voilà, on a dit qu'on se reprenait éventuellement un stack de cobble, éventuellement. Ça peut servir. Puisqu'on... Oh, petit rototo, dis donc. Ouais, on va en remettre. Salut Dacurve. On va en mettre des arbres et tout. En général, ça, c'est le genre de truc que je fais plus vers la fin. Mais, on peut en rajouter, bien sûr. Alors, tchac. De toute façon, on peut toujours rajouter beaucoup de choses hein, dans le jeu, sans problème. Je vais me le garder, l'autre stack. On va se le garder pour l'instant au chaud. Hop. Voilà. Ouais, si, c'est bon. Voilà. Quand je passe d'un jeu à un autre... J'ai mes touches pour courir qui sont pas au même endroit, c'est une catastrophe. Hop là. Hop, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Allez. C'est bien des mushrooms que j'ai mis. Ouais, super. Super. On pourra en remettre. Ah oui, j'ai dit au milieu, mais pas à toutes les intersections. On en mettra une sur deux, ça suffira largement. Largement. Voilà, là on est large quand même, hein. ça va aller. Hein. Pour marcher, pour courir. Alors, par contre, il faudra en mettre pas mal. Ils sont encore en train de se friter les bétails. Je te jure. Ouais, c'est pas quoi. On va aller jusqu'au bout. Comme ça, on sera serein. Enfin, surtout moi, je serai beaucoup plus serein. Voilà. Beaucoup plus serein d'arriver au bout, et après on remplira les trois trucs, et ça sera pas mal. Bon alors, j'espère que tout le monde a bien été gâté, que personne n'a fait de crise de foi. Hein, quand même, faire une crise de foi à Pâques, ça serait quand même un comble. Hein. Hein, j'espère que tout le monde a compris le jeu de mots. Même s'il n'était pas facile. Voilà. Ça va, Clampin? Ça va, mon titin?
Sorcière, tu vas donner fin à tout le monde. Du coup, hop, hop, mince, hop, hop. Ça va arriver ici. J'aurais dû faire un... Ben, on fera un portail plus grand. De toute façon, on a le droit. Hein. On fera un portail un petit peu plus grand. Donc ça, ça dégomme. Ça aussi. Et donc là, on arrivera ici, comme ça. Pouette, pouette, pouette. On a juste un... ça et ça qui vient. Ça, on aura l'entrée. Ouais, j'agrandirai un peu le portail. Allez, on pense pas à ce qu'il y a en dessous. On pense juste à notre objectif de bien remplir les dalles et d'être focus là-dessus. De toute façon, ouais. Parce que je suis en sneak, donc normalement ça devrait aller, mais avec les dalles, on a des fois, on a toujours des mauvaises surprises. J'aurais déjà pu? Vous êtes sérieux? Oh, purée, ça part à une vitesse de ouf. Est-ce que j'ai sur moi? Non, j'ai pas sur moi. Crotte de nuit. Ah, crotte de bidouille. De toute façon, c'est ça. Je rêve où il m'a regardé. Tu m'as regardé dans les yeux. Je suis fou. Parce qu'eux, ils ont le droit, mais nous, on n'a pas le droit de ça. Voilà, faut juste faire attention à ça. Et puis là, je peux bien... Tu révises tes verbes en néerlandais. Ah oui, ça, c'est une bonne idée, ça, Vivi, d'attendre la réduction dans les magasins. Moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour le chocolat. Donc, les gens qui me connaissent le savent. Donc, j'en ai eu quand même un peu... Oh, puis ma mère, elle est arrivée avec les lignes d'or, là. Les espèces de œufs, là. Les petits les trucs que tu ouvres. Et il y en a plein de toutes les couleurs. Les jaunes, c'est le chocolat blanc. Les bleus, c'est avec la praline et tout ça. Bon, allez, on va arrêter avec ça. oui, c'est ça que je voulais. Cobble. Cobble, 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 cobble. 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 Ouais, c'est cool. Je sais même pas si avec deux stacks... Oh, si, on aura peut-être assez, quand même. Ils sont pas gourmands à ce point-là, les bignous, si. Bon, on va voir. D'ailleurs, ça jarte. Puis ça, c'est une de plus pour moi. À moi, à moi. Ok. Allez. En plus, avec la hauteur des dalles comme ça, elles sont à mi-hauteur. Du coup, il n'y a rien qui spawn dessus, c'est très bien. C'est très très bien. Oh, crotte. Je vais pas aller la récupérer, celle-là. Ah, par contre, ce que je vais faire, tout de suite, il va falloir virer ces trucs-là, puisqu'on aura des choses qui seront collées là-dessus. On peut en virer un peu plus, hein, c'est pas... Là, il y a de la lave juste au-dessus. On s'en occupe pas. On fait comme si on n'avait rien vu. Oh, vous êtes sérieux? J'ai déjà mangé l'autre stack ou pas? Ah oui, j'ai déjà mangé mon autre stack. Oh, c'est incroyable, ça. Bon, moi déjà le chemin est fait. Ah, par contre, il va falloir. Ah mince! Il va falloir une hauteur de plus, je crois. C'est pas quoi. On va déjà poser aussi la sandstone. On va poser un peu la sandstone. Tout ce qu'on en a sur nous. On va éviter les allers-retours intempestifs. On va poser tout ce qu'on a sur nous. Allez hop. Parce qu'on est des fous dingues. Ça, on n'en veut pas. Ça, on n'en veut pas. Ça va nous gêner.
Voilà, donc du coup là, hop hop hop. Qu'est-ce qu'ils font peur ces bestiaux-là, ils veulent toujours nous attaquer. Je mettrai les mushrooms après. Toujours un peu peur. Hein. Et c'est pareil, hein, de la sandstone, il va falloir qu'on aille en chercher, purée. Mais je vais quand même voir la dimension avant. Comment dire, du manoir avant de trop farm trop de trucs, parce que je veux me rappeler absolument de ce que je veux faire, parce que quand j'ai une idée en tête, il faut vraiment que je le fasse, ou alors qu'au moins je mette les traces au sol, et comme ça après je me rappelle, je me dis ah oui c'est vrai, je voulais faire un truc dans ce style. Sinon après ça passe à la trappe. Si vous saviez le nombre de projets de Minecraft qui sont passés à la trappe parce que je me rappelle plus. Ok, on a plus de sandstone. Bon, ok. Lol. C'est dingue. Donc il faudra qu'on ramène de la cobble, de la sandstone. Ces pierres là. Je crois que j'en ai encore. Bah non, j'en ai plus non plus. De la blackstone polie. Je suis pas sûr. Donc Blackstone poly, très important qu'elle soit poly, hein. Pas mal poly. Par contre, si on va creuser quand même là-bas, tant que je suis dans le Nether, on va finir de creuser le truc. Comme ça, on sera good. Par contre, il y a des trucs en attendant. Ah oui, mais s'ils sont dessus, ils peuvent pas. S'ils peuvent sauter, mais éventuellement, mais là, c'est pas grave. Par contre, on fait la place tout de suite. Ok, là ça passe. Là ça passe pas. Ok, ça c'est bon. Faut pas qu'il puisse passer les bignons. Ouais, bon, c'est pas grave. Alors par contre là on va être embêté. Parce que la sandstone elle va arriver à cette hauteur là, c'est ça. Et donc il y a la lave qui va nous saouler. Voilà, c'est ce que je disais. C'est exactement ce que je disais. Il faut que j'arrive à casser la lave avant. Alors la lave, elle est là. Elle est à quel endroit? Est-ce que j'en ai ici? Oui. Hop là. Celle-là, on la bouche. Est-ce que j'en ai d'autres? Là, non. Là, non. Donc elle est là non plus. Là, oui. Hop. Je crois qu'ici, on en a un coup aussi. Là. Je pense que là on va pas être mal. Normalement. Hein. Allez, faut que ça coule. Voilà, donc il y a le haut à retirer, juste le haut. Et également la partie qui est là. Bon, je vais déjà retirer la partie qui est là ici. Parce que là on a des blocs qui viennent là. Décor, même de temps en temps on peut creuser un peu, voir s'il se passe des trucs, mais il se passe rien. Bon, bah, tant pis. C'est pas grave. Alors je suis obligé d'être un minimum attentif, hein, les amis. Donc c'est pour ça que j'ai pas les yeux collés. Alors. Ah ouais, si je vais en boutique Lint. Ah, t'as pris coco, matcha, mangue. Ah ouais, je pensais pas qu'il y en avait avec autant de parfums. Ouais, non, non, mais faut pas que je mette la tête dessus. Faut que je fasse attention à pas manger trop de sucre. Parce que le problème du sucre, vous savez qu'on mange beaucoup trop de sucre tous. Et en particulier les enfants de maintenant, c'est même encore pire. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils mettent du sucre dans tout. Dans tous les aliments, ils mettent du sucre. Voilà. Ils arrivent même à en mettre dans certains surgelés. Comment ils font
Par exemple, dans les haricots verts surgelés, ils arrivent des fois à mettre du sucre. Tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible? Alors que normalement, ils sont cueillis et ils sont surgelés tout de suite, quoi. Donc, tu te demandes. Tu te dis, mais what? Comment c'est possible, en fait? Et le problème, j'avais lu un truc il n'y a pas longtemps, je crois que je l'avais déjà dit en live, mais ils avaient pris l'exemple d'un enfant de 8 ans. Ils avaient dit à un enfant de 8 ans aujourd'hui, en fait, il a déjà mangé autant de sucre que son arrière-grand-père. Un truc dans ce style. C'est incroyable. Pour vous donner un ordre de comparaison, c'est un truc de fou, quoi. À 8 ans, il a déjà mangé autant de sucre que... Allô. Tu te dis, c'est dingue. Ça fait peur même, hein. Voilà. Dans le saucisson aussi, ils mettent du sucre. Ouais, mais de toute façon, voilà. On est foutu, on mange trop. Coucou pastille. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Faut vraiment cuisiner soi-même au maximum. Le maximum que vous pouvez cuisiner par vous-même, faites-le. Alors je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Oh mince. J'espère qu'il n'a pas cru que je le regardais. Regarde, t'as vu, je fais profil bas, vieux. Ah, puis là, évidemment, il va se mettre à l'endroit. Regardez, il met sa tête à l'endroit. Bon, ou alors je en colle une et puis il n'a pas le temps de comprendre. Il va revenir. Je suis sûr qu'il va revenir. D'un seul coup, il va revenir. Évidemment, c'est au moment où j'ai plus de nourriture sur moi. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Je te jure. Il le faisait exprès pour que je le regarde. Dans ce cas-là, vaut mieux prendre l'initiative. Avec les Enderman, hein. Faut être comme ça. Je préfère prendre l'initiative que d'être pris en tête et que ça soit lui qui commence à taper. Je te jure. Sale bête. Oh les sales bêtes. Salut Monster Dra, salut à ceux qui arrivent. 8 ans, il aura consommé plus de bandes passantes que son grand-père, oui. Ça, il y a des chances. Forcément. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? J'ai lu qu'il y avait une ministre ou je sais plus quoi qui voulait limiter. Le nombre de gigas d'internet à un truc complètement dérisoire. Vous avez entendu parler de ce coup-là, là, c'est bien parce que quand on est nombreux, on peut se répondre à ces questions. Mais ça, c'est impossible. Comment ils font les gens en télétravail? Ou bah ne serait-ce qu'un streamer, c'est pas possible. 3 gigas. En fait, pour vous donner une idée, une seule de mes vidéos, genre de 20 minutes, elle fait 2 gigas. Une vidéo en 1080 60 fps, ça fait déjà 2 gigas une vidéo comme ça. Donc c'est pas possible. Vous avez entendu parler de cette histoire? Je pense que de toute façon c'est pas possible. Comment ils font pour tous les gens en télétravail et tout? Enfin c'est voilà. Alors je suis d'accord qu'on discute un peu sur les gens, enfin les jeunes et tout ça qui font peut-être trop d'écrans ou trop de machins ou trop de trucs. Mais bon, de là à dire... Enfin, je veux dire, faut être sérieux, quoi. Encore ? C'est le même ou c'est... Non, c'est pas le même que tout à l'heure, lui. C'est un autre. C'est fini, oui. Enfin, c'est n'importe... Mais ouais, quoi. Ouais, ça... Ouais, encore une qui a oublié de se taire. On est d'accord. Ok, donc on a tout percé bien comme il faut. Donc il nous faudra de la sandstone. Et vous savez pas quoi, en vrai. Comment dire, de la blackstone, j'en ai pas tellement. Hein. Bon après ça va vite à farmer, faut juste que je me rappelle où est-ce que j'avais eu ma blackstone. Parce que pour me faire de la netherite, j'avais été forcément creusé comme un fou.
Par contre, je me rappelle plus du tout où est-ce que j'avais été creusé. Moi, je crois que c'était par là. J'étais descendu pas loin, je sais plus où. Donc, on a dit sandstone, blackstone et cobble. Cobble un petit peu, il en faut pas trop. Hein. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est pour faire le buzz. Les politiques, oui, ça, comme ça, ça fait parler d'eux. Je te jure. Attends, moi, je suis quand même youtubeur streamer et j'ai jamais cherché à faire des bad buzz ou des trucs comme ça. Ça reste, c'est vrai que ça reste de la politique, entre guillemets. Mais... Il y en a même, j'ai vu, qui se sont engueulés, mais qui se sont fait prendre parce que c'était pas vrai et c'était juste pour faire des buzz. Je te jure. Et en fait, ils étaient pas fâchés. Voilà. Bon, c'est bien qu'ils étaient pas fâchés, mais enfin... De là à faire peur à tout le monde. Bon, enfin, bon, c'est pas grave. Chacun fait comme il veut. Alors, miam, 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 miam. Ah oui, ça, celui-là aussi, on a dit qu'on le mettait... Alors, divers nésors, il y a ça. Le reste, on le garde et le bois, on le met dans le bois. Voilà, le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert. C'est parfait. Ah, puis il y a ça aussi. Qu'est-ce que c'est que c'est? Je suis arrivé ou quoi? Non? Ah non, j'ai cru que c'était des carpettes. J'ai cru que c'était des carpettes. J'ai dit, mais pourquoi il y a des carpettes là-dedans? Eh non, c'est pas des carpettes. C'est des plaques de pression, chers amis. Alors, ça, on n'en veut pas. Ça, on a dit qu'on gardait, tout ça on garde, tout ça on garde. Les outils, on est encore bon. Alors, en blackstone, qu'est-ce qu'on a en blackstone? Oh, mais si, tout va bien, on en a de l'outil. Voilà, avec ça, à mon avis, on aura assez. Du fer, je crois qu'on en a là-bas. La sandstone a pu. A pu sandstone, hein. Ça, c'est de la smooth, mais on la garde, la smooth. Elle est trop précieuse. Donc, ça veut dire aller chercher un peu de... Ça, c'est du sable. Smooth sandstone. Attends, faut que je la remette bien. Smooth, smooth et pas smooth. Sand. Voilà. Tac, tac, tac. Ça, ça va comme ça. À la limite, on va se prendre ça. On va aller s'enfermer un petit peu. Et qu'est-ce qui manquait? Un tout petit peu de cobble, mais très peu. Très peu de cobble, très peu de cobble. À mon avis... Bon, au cas où, je vais en prendre un stack de plus, mais je pense qu'un seul stack divisé par deux, ça fera le taf. Je pense. Hein. Donc du coup, on va déjà poser... on va déjà poser ça, et ça sera déjà pas mal. Jenny! Oh, merci Jenny, c'est super gentil. Ma poupoule! Merci Jenny pour ton sub, c'est adorable. Tu fais un gros bisou à Ska aussi. Et moi, je te fais un gros bisou aussi. Voilà, comme ça, vous avez tous les deux des gros bisous. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Sauf que... j'ai un truc chelou. Ça fait 15 jours, 3 semaines. 3 semaines, ils m'ont changé mes médicaments pour mon cœur. Et depuis ce moment-là, j'ai les joues rouges et chaudes. C'est bizarre. Sinon, le reste, ça va. Je sais pas à quoi c'est dû... J'ai les joues rouges et chaudes. C'est genre, j'aurais bu 10 litres de vin ou je sais pas quoi, ou que j'en bois qu'une fois par semaine. Ça passe pour le gros alcoolo, c'est assez bizarre. Mais bon, bah, c'est pas grave. Coucou Wistiti, bienvenue à toi. Normalement, je suis soigné pour la tension, donc normalement, ça va. Au niveau de la tension, je suis bien. Maintenant. Bon, c'est sûr, j'ai fait des pointes... J'ai fait des grosses montées de tension. Mais là, ça va. Non, je peux pas faire cuire des œufs quand même. Heureusement, t'imagines. Mais je sens que j'ai les joues un peu chaudes. Et un petit peu rouges quand je me regarde le matin. C'est... Ouais, je vais en parler à mon médecin. Ouais. Donc, je le verrai. J'ai les joues rouges. Bien. Votre femme vous a montré vos fesses ou quoi? Ou n'importe quoi. Ouais, c'est une réaction. J'ai même pas regardé les effets secondaires. Mais moi, les notices... En général, je ne lis pas les notices parce que ça fait peur, les notices des médicaments. J'avais un de mes médicaments. Un stream... Ah oui, non, je te parlais des vidéos de 20 minutes. Ah là. Ah oui, ça fait 6 gigas. Ok.
Comment dire? Attends, j'ai perdu. J'ai perdu. Il m'a fait changer de. C'est pas grave. Donc, du coup, ouais, bon, je pense pas que ça soit grave, puisque sinon tout le reste ça va. Hein, tout va bien. Mais j'en parlerai quand même au médecin par acquis de conscience. J'en parlerai quand même. C'est pas quoi? On va finir la cobble. Comme ça sera fait. On va avancer juste les petits machins. Je veux dire, l'heure qu'il est. Ouais, il est 19h, ça va. Ah, mais ça passe vite quand même, purée. Je vais quand même en parler. Même si moi, mon médecin, je l'aime bien parce que il est anti-drama. C'est-à-dire que lui, c'est. Tu vois des médecins qui flippent ou qui sont hypochondriaques ou quoi. Lui, c'est tout l'inverse. Alors, docteur, comment ça va? Il fait. Ouais, c'est bon. Donc, par contre, le jour où tu le vois s'inquiéter, là, tu te dis, ah ouais, là. Je me rappelle quand, juste un peu avant ma crise cardiaque, quand il avait. J'avais eu une très mauvaise prise de sang, il m'avait dit, ouais, non, mais là, là, tu déconnes. Il me dit, c'est plus du sang que t'as, c'est du beurre dans le sang. Genre, ah, pote. J'ai dit, bon, faut que j'arrête les yaourts, le lait, tout ça, mais bon, bah, trop tard. Je me faisais des orgies de yaourts, j'adore. Enfin, maintenant, je fais attention, j'ai arrêté de faire le bébête. Moi, le beurre, il n'était pas gratté le beurre. Hein. Moi, je coupais sur le pain. Il y avait presque autant de beurre que de pain. Après, c'est pas juste parce que je vois mon père. Mon père, il mangeait du Queen Amman. Je vous jure, du Queen Amman, c'est du beurre avec du beurre, hein, du Queen Amman. Hein. Et ben, mon père, il rajoutait du beurre sur son Queen Amman. Si ça, c'est pas abusé en vrai. Et il avait des prises de sang de malade. Et il avait jamais de cholestérol et tout ça. Comme quoi, on n'est vraiment pas tous égaux. Voilà. Donc ça c'est fait, on est tranquille. Ah, le Queen Amman, c'est une tuerie. Hein. C'est trop bon. Mais maintenant je suis obligé de faire attention à tout ça. Je fais attention à mon alimentation. Ah oui, c'est ce qu'on parlait également tout à l'heure. Voilà. Et donc manger le minimum, minimum, minimum de plats préparés. Et vraiment le mieux c'est de se préparer, c'est pas soi-même. Et n'oubliez jamais les amis que la moitié de votre assiette ça doit être des légumes. Voilà, pas des féculents, hein, des légumes. Hein. Parce qu'il y a des choses, on croit que c'est des légumes, on dit, oh ouais, les petits pois, c'est des légumes. C'est des féculents. Il y a plein de trucs. Oh, les patates, c'est des légumes. Non, c'est des féculents. Des vrais légumes, genre haricots verts, ratatouille et compagnie, quoi. Voilà, très bien. T'as 3 stacks de grès dans ton coffre au début du couloir. Ah, mais ça, mais très bien. Ah, mais oui, mais parfait. Parfait, parfait, parfait. Ah, bah, parfait. Je pense pas que j'en ai assez, mais. Mais, on va quand même le poser. Voilà. Bien vu, bien vu. Voilà, l'alimentation, c'est très, très, très important pour la santé. Je pensais pas, en vrai, avant ma crise cardiaque, je pensais vraiment pas que ça jouait autant que ça. Mais en fait, tout ce qu'on mange, c'est super important. D'ailleurs, sinon je suis pas allé jusqu'en haut. Hein. Je me suis arrêté en dessous. Donc très très important, tout ce que vous mangez, fait ce que vous êtes. Je suis sûr, bien, à peu près. Ah, crotte de biche! Bon, j'en ai perdu un. Oh bon, ouais, puis en dessous, il y a du monde qui attend. Je vais pas me battre pour un bloc de sandstone. Bon, normalement, on a tout fini, hein, ouais. Allez, hop, hop, hop. Voilà, merci Mandrin pour tes 100 bits. Voilà, coucou Nico Noutnout. Nico Noutnout. Un flamant rose privé d'un. Ben, si tu retires l'alimentation, oui, parce que c'est les petites crevettes là qui mangent, c'est ça, hein, les flamants, c'est pour ça qu'ils sont roses. Ben, sinon, ils sont tout blancs. S'ils mangent d'autres trucs, c'est plus des flamants roses, c'est des flamants blancs. Voilà. Et s'ils mangent, s'ils mangent des trucs à base de houblon, et ben c'est des Belges. Voilà. Parce que c'est de la bière en fait. Les flamands. Ouais, bon, d'accord. C'était un peu tiré par les cheveux. Évidemment. N'oubliez pas qu'un de mes meilleurs amis est belge. Hein, donc voilà.
J'ai une très très grosse communauté. D'ailleurs, je vous embrasse, tous mes amis belges, je vous fais des gros bisous. Voilà. Un petit hommage. On a déjà tout mangé à la Sandstone. Ah purée, ouais, bon, il en faut. Hein. Il en faut encore. Il en faut encore. Ah, les lobbies américains. Oui, bien sûr, les patates, c'est des légumes, mais bien sûr. Et dès qu'ils peuvent spawner à des endroits qu'on veut pas, ils y vont. Voilà. En fait, s'ils voudraient, ils pourraient descendre ici et ils pourraient venir m'en cuisiner, hein, si vous voulez, les bestiaux. Là. C'est vrai. Vous savez pas quoi, on va se faire le rebord comme ça partout. Et après, on va monter les trucs comme ça partout. Alors, du coup, il faut faire. Poète. C'est. Non, c'est pas des chisels, c'est des polish. Comme ça. Bim. 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 On va déjà s'en faire 4 stacks, ce qui me paraît déjà tout à fait correct. Et on va se remplir. Ah, attendez, j'ai combien de livres? Je vais faire à chaque fois la bobosse. 1, 2, 3, 4, 5. Et au 6ème. 1, 2, 3, 4, 5, 6ème. Paf. 1, 2, 3, 4, 5, 6ème. 1, 2, 3, 4, 5, 6ème. 1, 2, 3, 4, 5, 6ème. On va pas avoir de bol, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Tchoc. Donc, peut-être qu'on va l'avoir de l'autre côté. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6ème. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, incroyable! Trop bien! 4, 5, 6. Ok. Oh! Allez, vite, on se casse. Il y en a deux. Puis eux, ils font super mal. Voilà! Brûler en enfer! Vilaine bête! J'arrive à le louper, lui. Oh, les vilaines! Oh, les vilains cochons qui m'ont fait peur! eux, ils tapent fort, hein, les bétails. Hein. Faut s'en méfier. Hein. C'est vrai, Pompon, qu'en France, on a quand même... on a quand même de la bonne nourriture. Hein. Disons, ne nous plaignons pas. Alors, faut que j'arrive à être en face. Juste là. Paf. Voilà, et donc là, on peut repartir sur le 1, 2, 3, 4, 5 et 6ème. Comme ça, c'est bon. Allez. 3, 4, 5, 6ème, paf. 3, 4, 5, 6ème. 1, 2, 3, 4, 5, 6ème. Vive la Belgique! Mais bien sûr. Quatre stacks pour les machins. Ah, qui rend les flammes roses de la carotène? Je sais pas. Je sais que c'est les petites. Les genres de petites crevettes là qui mangent là. 1, 2, 3, 4, 5, 6ème bim. 1, 2, 3, 4, 5, 6ème. J'espère que je me suis pas gouré. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6ème. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4,
Enfin, 6 semaines. Ah, crotte, ça y est. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. 3, 4, 5, 6. Ça avance. 1, 2, 3, 4, 5. Pousse-toi, toi. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On y arrive. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Eh ben, on a tout mangé. On a tout mangé. Purée. C'est ta faute, ça. Aux bourses. Je te jure. La quarantaine n'est pas vite éliminée par l'organisme. Or ta mère, toi, sale bête. Les petits, tu leur mets un coup, c'est bon, ils se cassent. Que les gros, non. Les gros, ils rigolent zéro. Ok. À mon avis, toute la Blackstone va y passer. J'ai l'impression. Polish, Blackstone, c'est ça. Bim, 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 bim. Et bim, allez, on fait tout. On fait tout, hein, de toute façon. Voilà, comme ça c'est bien. On va rejoindre le truc. D'ailleurs, ouais, bon, on verra après. Oh, attends, comment j'ai fait là? Ça a pas dépassé ça. Ah non, j'ai mis. C'est quoi qu'il y a là? C'est des dalles que j'ai mis. Ah, j'ai mis des j'ai mis des dalles contre. Ah oui, juste là, j'ai mis des dalles. Ouais, c'est pas mal en fait. Ça ira, ça fera bien l'affaire. Tac. Donc du coup, là, tac, tac, et tac. Et en fait, à chaque fois, il y a 1, 2, 3 dalles. Ok, bon, ça va aller. Allez, on va remonter ici. On s'est pas gouré, c'est déjà la bonne nouvelle. Crotte. J'avais vu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incroyable. C'est omnubilant, hein. Hein, c'est omnubilant. Coucou le corps bloc. Ouais, ça va bien. Petite pensée au doubleur des piglings, quel métier éprouvant. Moi je le connais, le doubleur des piglings, c'est boîte à meux. 1, 2, 3, 4, 6. Des fois il fait ce genre de bruit. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4, 5, 6, hop. Oh, incroyable. Trop fort, il est trop fort. Ah, ça me fait rire. Ok. 3, 4, 5, 6, hop. 4, 5, 6, hop, 1, 2, 3, 6, hop, 1, 2, 3, cours, ah oui, 4, 5, 6, hop, et c'est incroyable qu'on tombe bien, n'empêche, hein. Oh, tout est calculé, tout est calculé. Voilà, comme ça on tombera bien ici. Combien il m'en reste? J'en ai plus. J'en ai plus, les amis. Crotte de bique. Bon, on va chercher un peu de sandstone, quand même. Oui. Ça va, c'est pas forcément des grands nombres. Heureusement. Après, ça dépend. Ça dépend des constructions. Des fois, quand tu fais des dômes ou des trucs gigantesques, ça peut arriver. Ou des méga builds. Des fois, c'est faut pas se gourer dans tes arches. Je peux te dire, des fois, c'est tendax. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? Il nous en reste 4. Bon, on va aller loin avec ça, dis donc. Pareil pour les slabs, on n'en a plus beaucoup. Là, on va les mettre là. Bim, bim, bim. 1, 2, 3, 4, 3, ouais, logique. Il y en a 5. Il y en a 3. Et sauf qu'il va falloir qu'on mette les dalles avant. Il va falloir qu'on mette les dalles avant. Sinon, ça va pas le faire. Donc, en fait, comment je vais faire? Je vais monter comme ça. Puis, poète. Ah ouais, poète, c'est bien. Surtout qu'en fait, ici, je peux les placer, les dalles. Ah, trop bien, on peut les mettre. Tout en étant sur ce bloc-là, donc c'est parfait. Donc, il me faut plus de blackstone. Et un petit peu de sandstone. Voilà. Coucou, Lililo, c'est trop gentil. Voilà. Ouais, les dômes, c'est du taf. Merci beaucoup, Lililo, pour ton raid. J'espère que ton live s'est bien passé. Voilà. Oui. Oui, Pastille. Bonne correction, mais... Bon, ici, on relève pas trop. À un moment, j'étais modo sur un... Sur le site Wargamer, et la moindre faute d'orthographe fallait soit qu'on corrige, soit on supprimait les messages. C'était un peu dur. Coucou, Itzari. Ouh, Itzari. Eh, 73e mois d'abonnement. Eh. Gros cœur sur toi, Itzari. Merci beaucoup, c'est super gentil. Alors, et merci à Mandrin qui a offert un sub à Lililo, justement. Merci, c'est super gentil, voilà. Il y a une astuce hein, pour quand, si on ne sait pas mettre un S ou un T ou quoi à je ou quoi, il faut penser à je n'aime pas le thé. Je n'aime pas le thé. Voilà. Voilà. Comme ça, du coup, tu t'en rappelles. Donc, du coup, si c'est je. Il y a de fortes chances qu'il y ait un S à la fin. Oh, ça, c'est des petits trucs. Des petites. Et merci, mon mandrin. Oh, merci, mandrin. Quelle gentillesse. Qui a offert 10 subs à la communauté. Et il veut des cœurs. Hein. C'est pour Pâques. C'est mes Pâques. Mais merci beaucoup. C'est super gentil. C'est adorable, mandrin. Je te fais des gros bisous, mon pépère. Très gentil. Cobble, on est bon. Cobble, on est bon. Par contre, sandstone, on n'est pas bon. Regarde l'heure, ouais, ça va, on est bien. Pour faire le plan au sol, il nous faut au moins 20 minutes grand minimum. Hein. Pour voir le genre de manoir qu'on va construire après. Parce que j'ai prévu de construire un manoir, les amis, là. Bon, il pleut, évidemment. Je sais pas d'où est-ce qu'elle sort, celle-là. Juste à la place des sapins. Oh, ici, on va se faire un manoir à cet endroit-là, ça va être chouette. Voilà. Voilà, elle est pas belle la vitre.
Oui, je sais, Dudule, si tu aimes le thé. Voilà. Moi aussi, j'aime bien le thé, mais c'est un moyen mnémotechnique. Alors, tu dis, je n'aime pas le thé, comme ça, tu t'en rappelles. Voilà. Et vas-y, le train de live, pas proche. Incroyable. Et merci pour les 1000 bits, mon Sandra, c'est super gentil. Très, très gentil, dis donc. C'est adorable. Non, 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 Wonders. Le manoir, on va pas le faire dans le Nether, on va le faire, on va en faire un ici, là, juste sur le côté. Je pense qu'on va, comme ça, on aura vraiment une vue F4. Tu sais, quand on a une vue comme ça, regarde, t'as l'abbatiale, là. Ah, mais c'est trop gentil. Mais merci, Mandrin, qui a offert 5 subs à la communauté, c'est adorable. Merci beaucoup. Voilà, tu vois ici quand on sera avec une vue comme ça. Donc là, on a l'abbaye, l'abbatiale qui est derrière, le château, là, 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 et tout. Et là, un petit manoir à cet endroit-là, en vrai, ça va le faire. Et plus tard, si jamais je suis toujours vivant, plus tard, je ferai peut-être des ruines de château fort à cet endroit là-bas, là. Vous voyez là-bas? Des ruines de château, ça pourrait le faire pas mal. Je pense, hein. Enfin bon, ça, c'est des projets. On verra bien. Hein, mais... Voilà. Retour dans mon corps, F4, voilà. Parce qu'il ne faut pas se laisser impressionner comme ça, attention. Voilà. Oh, merci Fredo également. Carmi sans bits, c'est super gentil, les amis. Merci beaucoup, on est à 51% du level 4 du train de life. Merci beaucoup, c'est Pâques. Oh, j'ai jeté un truc qu'il fallait pas. Oh, j'ai jeté mon épée. Elle est où? Voilà. Faites l'amour, pas la guerre, du coup, j'ai jeté mon épée. Voilà. Ça va, Fredo? Bon, bienvenue à ceux qui sont arrivés entre elles. Oh, mais les Monster Vra, mais c'est vraiment gentil. Merci pour tes 1000 bits, c'est trop gentil. Adorable. C'est vraiment super gentil. Sinon, vous me gâtez. C'est gentil. Donc, on a dit qu'on n'avait pas assez de Blackstone, hein, c'est ça. Alors, plus de Blackstone et de Sandstone. Blackstone, il nous en reste que 3 stacks, hein. Et demi, 3 stacks et demi. Ça va peut-être aller. Bon, par contre, Sandstone, c'est sûr que non. Alors, attendez, là, il y a Cobble. Cobble, 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 Cobble. Cobble, c'est bon, on n'a plus besoin. Plus besoin, Cobble. Pourquoi j'ai une peau de bête? Ah oui, c'est le cochon qu'on a tué, je crois. J'ai une peau de bête, les amis. On se récupère toujours des trucs bleus, là, comme ça. C'est bizarre, ça. On n'en veut pas de ça. Hop. Ça, c'est bien. Alors, du coup, on va chercher un peu de sandstone. On va en profiter pendant qu'il pleut plus. Et on va manger le cochon en priorité. Voilà. Oh, il s'est sauvé, lui! Regardez, il s'est sauvé! Elle est où, Salès? Il a cassé Salès, le vilain. Oh, t'es un vilain, toi. Loot mob. Tac. Je sais que j'en ai d'autres. Ah bah, regardez, j'en ai plein là. Voilà. Parce que ils ont vite fait ce.
sable. Ah, quand il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans, les tortues, là? Il faut qu'on pense à bientôt prendre. Comment ça se fait que... Oui. Ça va, les filles? Allez, si vous voulez sortir, vous avez le droit. Quoique, ça va être embêtant. J'ai quoi comme... Il y a du sable? Ouais. Ou alors, ils peuvent pas passer, c'est ça? Ils sont coincés? Je te jure. Là, normalement, ça passe, hein, les filles. Voilà, c'est bien. Voilà, comme ça, c'est bien. Alors, on se récupère un peu de matos. En plus, il y a plein d'endroits, je suis sûr que j'ai pas bien récupéré. Alors, oui, j'aurais dû creuser un peu plus, mais... Ah, attendez. Je n'ai même pas récupéré tout ce que j'ai miné. C'est pas bien. Je m'enquiquine un peu, hein, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a comme tortue par ici? C'est incroyable. Ok. Combien il y en a là? On va pas être mal là. Hein. Je pense qu'on va pas être mal. J'adore entendre les mouettes. C'est vraiment... Moi, je sais, je l'ai déjà dit. Hein. Alors, pour ceux qui savent pas, les mouettes, c'est ma Madeleine de Proust à moi. Et là, ils vont dire... ceux qui sont habitués à mes lives vont dire « Mais vraiment, roi, tu radotes. » Ouais, bah pardon. Attendez, je crois que du granit, on en a presque plus non plus. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais du granit, c'est denrées rares aussi par ici. Hein. On en profite, hein, tant qu'on est là, on en prend un petit peu. C'est vrai que c'est sûr, ça va beaucoup moins vite que la sandstone, mais... Oui. Bon, je vais pas en prendre beaucoup, mais c'est histoire d'en avoir un petit peu, parce que je m'en sers du granit. Et même pour le manoir, je pense qu'on va s'en servir un petit peu pour faire des fondations solides. Et j'ai vu qu'on en avait presque plus. Quand, tant qu'on est là, on en profite, hein. Bien sûr. Ok. Bon, on va pas tout prendre, mais... Au moins la petite couche qui est là. Hein. Hop. Allez, c'est bien. Je pense que, à mon avis, sérieux, on va avoir assez. Sandstone et compagnie, on va avoir assez. Alors, rentrons avant la nuit totale. Salut la boîte. Ça fait quoi de beau? Bah là, j'avais besoin d'un petit peu de machin, de trucs et de bidule. Alors voilà, j'avais ramené ça. Coucou Edith, coucou à ceux qui sont arrivés. Qui sait que j'ai pas dit bonjour? Bon, je pense que c'est bon, hein. Ah si, tiens, on va faire un dodo, on n'est pas dans le nether, on en profite. Tout en rythme. Très important. Hop là. D'ailleurs, ça va plus nous embêter qu'autre chose. Hein. On va coucher. Paf, paf. Alors, normalement, la maison, elle est par là-bas. Hein. Si je fais la map. Par là, maison là-bas. Maison là-bas. Hop là. C'est parti, mon kiki. J'aurais dû monter un petit peu. Regardez-moi ça. Ce lever de soleil incroyable. Je vois pas de quoi tu parles, Fredo.
Ah d'accord. Nina, si t'as besoin, tu me dis, hein. Ok. Ah, parce que Nina met souvent des trucs à vendre sur le bon coin et tout ça. Ça évite d'avoir des montagnes de trucs qu'on garde à la maison. Et ça fait de l'argent de poche, pas négligeable. Et là, on a vendu un meuble. Mais du coup, elle va peut-être avoir besoin de moi à un moment donné. Bon, on verra. On verra. Alors, sandstone. En plus, j'avais ma boîte à sandstone et j'ai tout mis dans le... J'ai tout mis dans le truc. Alors, on va déjà finir le plafond. Je regarde là, il est 19h32, c'est parfait. Ok. Allez, on va se finir ça gentiment. Faudrait qu'on mette les mushrooms aussi quand même pour avoir de la... Bon, même s'il fait... Il fait... On a la lumière hein, quand même. Et même en se tend comme ça, je pense qu'on va un peu plus vite. Par contre, on consomme plus, hein, forcément. Bon, ça va quand même plus vite hein, pour aller à la ferme. Et même si j'étais... j'allais dire vicieux, non pas vicieux, mais si j'étais... on ferait le même chemin pour aller... comment dire, pour aller farmer la mangrove et tout ça, puisque on y va quand même assez souvent. Farmer mangrove et... comment dire, la mud. On s'en sert quand même pas mal. Parce que quand la 1.19 était sortie, j'avais dit je vais utiliser tous les nouveaux blocs de la 1.19. Enfin tous, une partie. Et du coup, on a construit beaucoup avec la base de mud, de mangrove et tout. Ça fait super joli. J'aime beaucoup les mélanges que ça fait. Ça fait quand même des patterns qui sont assez chouettes. C'est bon, ouais, on s'approche là. Bon, le seul inconvénient des fois du bon coin, c'est que tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Là, ça va, apparemment, c'est des gens qui ont l'air sympas, mais on sait jamais. Donc Nina, souvent, elle me dit, si j'ai besoin, je t'appelle, hein. Non, pas de problème. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Ok, ouais. Ça jarte et ça jarte aussi. Alors, bim. Paf. Savoir viser. J'avais pas fait les non, j'ai pas fait les dalles d'avance. Oh bah d'accord, de toute façon j'ai même pas fait le reste non plus. Donc du coup, touch. Touch. Et touch. Et j'ai pas pris mon stone cutter. Ah bah bien sûr que non, sinon c'est pas drôle. Alors. Il est un bon modo, mon Dudu. Il est bon modo à son pépère. Ah c'est pas un meuble Louis XV, non, non. À moins d'avoir un héritage, mais... Ouais, retourne voir ta mère, toi. Vas-y, saute. Tu veux pas? Bon, je vais t'aider, alors. Voilà. Je vous jure.
incroyable. Oui, ah oui, oui, il est galère à farmer ce bois, mais il est tellement beau. Tellement joli. À mon avis, il en faut quand même pas mal. Hein. La Blackstone, comme ça. Plus, il faut des dalles aussi. Il faut des dalles. C'est pas quoi. On va déjà poser ça. On va voir ce que ça donne déjà avec ça. Et d'ailleurs, je vais poser les lumières tout de suite. Puisque j'ai toutes mes traces, j'ai toutes les traces qui vont bien. Donc on va poser même les lumières en premise. Voilà, comme ça, ça serait bon. On a nos points de repère. Puisque les points de repère, ils sont là. Paf. J'en mets une tous les deux machins. Donc il y en aura forcément une ici. Paf. Il y en aura une là. Juste là. Très bien. Ils sont vénères. Ils essayent vraiment de me mordre. Ça galope de partout là pour l'instant dedans. Oh ! Purée, qu'est-ce qui m'a fait peur ce boubours ? Qu'est-ce qu'ils font peur, hein ? Il y en a marre à la fin. Maintenant, même pour jouer à Minecraft, faut plus être cardiaque, je te jure. J'ai failli en mettre une. Allô, quoi ? Allez, casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Tiens, pour la peine, je vais manger sa viande. C'est incroyable ça! Je suis désolé de vous avoir fait sursauter, mais moi aussi j'ai eu peur! C'est vrai. Je m'y attendais pas du tout. Non, puis quand t'es dans le nether, que t'es en hardcore et tout, ça fait peur. Hein. Même dans Minecraft, hein. Je te jure. Tac. Donc je sais pas s'ils vont prendre le même et comment ils vont galérer pour le descendre. Je sais même pas s'ils vont réussir. À mon avis, il va falloir le démonter. Je pense. Encore, je suis même pas sûr. Ok. Un petit coup là, c'est ça? Ah oui, c'est pas... On a l'air d'être bon là. Attends. Là c'est bon. Il y a déjà un Enderman qui est déjà passé là. Sérieux. Regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable. Ici. Ça c'est bon. On va y arriver, hein. On va y arriver. Chac, ça c'est ok. Les bons. Comment on se fait flipper pour des trucs, c'est genre. Tac. Et logiquement le dernier il est là, mais on va pas le mettre puisqu'on arrive là. Hein. Donc on est bon. Et ben super les amis. Attends, est-ce que je suis protégé là Attends. Je vais me mettre là. Comme ça là on sera vraiment protégé pour de vrai. Voilà, là il n'y a personne qui va m'attaquer. J'arrive tout de suite, je me dépêche. Merci. Thank you.
Bon, ça va. Tout se passe bien. Ouh, tout se passe bien. Et non, c'est Enderman Land là-dedans. Oh, du nom. Ça tombe. Ok, on est bon. Juste un truc que je vais faire par contre. Non, non, c'était même pas toilette. C'était où est-ce que je suis là. Voilà, je vais boucher le fond. On va boucher. On va boucher derrière. Voilà, j'ai juste pas envie. Est-ce que ça passe au travers là? Je suis obligé de faire là. Comme ça. Putain, c'est bizarre qu'on puisse pas poser les blocs. Ah, pourquoi je peux pas poser les blocs derrière? Crotte de biche. Bon, c'est pas grave. On va passer par le côté. Là, ça craint pas là. C'est bon, ça craint pas par ici. Tout va bien. Là, ça passe. Ouais, ça passe, ça peut être. Super. J'ai fait des dalles. Ouais, on a fait des dalles. Des dalles, oui. Mettez pas vos amis. Bien sûr. Et je crois que les dalles, je les ai mises juste là, hein, logiquement. Hein. Comme ça. Ouais, on est bon. Ouais, c'est pas mal. Voilà, comme ça, il ne restera plus que les machins à mettre. Un, deux. Et 3, oui, je vais mettre tous les blocs d'abord. On va mettre les blocs d'abord. Sinon après, ça c'est source à erreur. Hop. Ça, ça va être vite fait. On a un support. Oula, ouais, il suffit que je le dise. Hein. Je te jure. Tac, ça c'est bon. Ok. Alors que je vous lise un peu de temps en temps. Oui, c'est ça, j'ai été voir si tout allait bien. Faut toujours peur ces bétails. Oups. Parce qu'en plus, le lot qu'elle a vendu, il était un peu lourd. Et... Mais ça va, en fait, la dame, elle est venue avec deux jeunes hommes musclés. Voilà, pour descendre le meuble, parce qu'il était à l'étage, donc ça va. C'était un gros meuble télé qu'on avait à l'étage mais qu'on se sert plus. Ah, c'était joli. Je crois qu'elle l'a pas vendu cher en plus, mais bon, c'est bien. Comme ça tout le monde est content. Nous ça le doute débarrasse, on n'a pas le porté. Et puis les gens ils font une bonne affaire. Donc c'est très bien. Viande. Ah, il saoule, hein. Bon, vivement qu'on ait terminé. J'ai tellement petit, c'est passé en dessous, dis donc. Lol. Oh, j'en ai plus, j'ai toute la longueur. Mais c'est pas possible, ça. T'es sérieux, toi? Ils sont malins ces bestiaux. Hein. Ou presque. Dans le cochon, tout est bon, ouais. Sauf les dents. Les dents. Pas grand chose avec les dents. Hein. Allez. Bon. Ouais, c'est de la poly. Je suis même pas sûr qu'on en ait assez de la Blackstone, alors que pourtant. Purée, c'est un truc de fou ça. On va pas gâcher, hein, je te le dis.
Ce côté-là, il était quasiment terminé. Ouais. Hop. Et là, ce côté-là est fini. Et lui, on a juste ça. Je regarde l'heure. Ouais, c'est bien, on est bien. Au niveau timing, on est super. Super, super, super. Hop, hop, hop. Je sais pas si je vais en avoir assez. On verra. Au pire, on finira ultérieurement. Tacha. Allez là! Ah, c'est ça qui gêne! Oh bah non, j'arrivais pas à la poser, je comprenais pas. Ah, tu m'étonnes, il y avait une feuille. Ah, une feuille rouge. Allô? Ok. Oh, crotte de bitch. Eh ben, je vais pas en avoir assez. Non, pas avoir assez de Blackstone. Oh, crotte de bitch! C'est pas. Au niveau des dalles, on va finir à côté. Et donc, il faudra que j'aille farmer un peu de backstone, parce que je crois qu'on a tout pris dans le coffre. Je sais plus, les amis, si on a tout pris ou pas. Non, ça me dit rien, Dudul. Pourtant, ma grand-mère habitait entre Cannes et Nice. Donc, je connaissais des très très bonnes adresses là-bas. Des très très bons restaurants. Il y avait un restaurant à Jouan-les-Pins qui était incroyable, qui, bon, qui était assez cher, mais c'était ma grand-mère qui payait. Faut dire que j'y allais pas non plus souvent. Quand tu habites en Picardie, tu vas pas souvent forcément dans le sud. Hein. Et donc, à chaque fois, ils nous invitaient dans ce restaurant-là. Et ils faisaient des brochettes de lotte grillée. C'était une tuerie absolue. Vraiment. Bon, après, les soupes de poisson habituelles et tout ça, hein, bien sûr, hein, mais les brochettes de lotte fraîche grillée, oh, c'était une tuerie. Les trucs qui fondaient dans la bouche, c'était incroyable. Et ils étaient à moitié un peu grillés quand même, donc c'était vraiment bon. Hein. C'était une tuerie. Pourtant, je suis pas particulièrement poisson ou quoi, mais alors là, j'avoue que là, bon bah voilà. Ah, pour les joues de... Non, j'ai pas la ref, ça me dit rien. C'est une ref à un film. Moi, je m'en rappelle plus. Mais pourtant, enfin si, ça me dit quelque chose, mais honnêtement, je ne l'ai pas la ref. C'est dans la cité de la Porche, moi. Terreur sur la vie. Je m'en rappelle plus de ce moment-là. Ouais, dans la Cité de la Peur, mais en même temps, la Cité de la Peur, ça fait super longtemps que je l'ai vu. Et en plus, je l'ai vu qu'une fois. Donc, voilà. Il y a la Carioca que je me rappelle très très bien. On l'avait même fait en sketch avec Nina, on avait appris à le danser et puis on faisait tout. C'était assez marrant. Mais je me rappelle plus tellement de ce passage-là. On peut pas tous rappeler non plus. Les mémoires de poisson rouge. Hop, ça c'est bon. Les dalles, pour un côté, on va peut-être avoir assez parce que ça va par 3. Ah, crotte de bitch. Oups. Alors la dalle. Ça va. 1, 2. Ça va là, les dalles. Ici. Comme ça, après, on va plus être embêté avec les bestiaux. Surtout quand il y aura les grilles, d'ailleurs. Ça ira bien mieux. Voilà. Bon, on fait simple et efficace. Hein. Alors, on ne s'embête pas trop. J'aurais pu mettre un toit en quinconce, je sais.
ça fera bien l'affaire. On va pas commencer à s'embêter. Déjà, on a eu du bol de bien tomber, là, dis donc. Non, mais tout est calculé, bien sûr. Tout est calculé. Il est 52, hein. Faut pas traîner, quand même. Voilà. Donc, ce côté-là est bon. Je vais me finir avec les dalles qui me restent. Oh, purée. On va se finir là. On va mettre quelques grilles. Vite fait, bien fait. Voilà, un pub de dalles. Un pub. Pouette, pouette. Voilà. Par contre, ce côté-là, on peut finir le côté qui est là tout de suite. Avec les grilles. Voilà. Tiens, pourquoi il veut pas ce mot-là? C'est bizarre, ça. Bon, on autorise. J'autorise. Il aime pas le motard. C'est bon, Mélodie. Je l'ai mis. Non, parce qu'il y a des mots qu'il aime pas. Et là, c'était le mot plus tard avec une étoile. Il en voulait pas. Enfin, il disait, oh, c'est un gros mot, ça. Ça se trouve, c'est peut-être un truc. Quel est mon shader? Ce sont les complémentary shader. Avec le réglage de Hey Pierre. Bon, enfin. Gaston Lagaffe sort de ce corps. Bon, enfin. Voilà. Les complémentary sont super beaux. Tu vois super bien sous l'eau. Ça fait trop joli. Et puis dans le nether, c'est beau, enfin c'est beau partout. Aujourd'hui, ce sont mes shaders préférés pour le moment. On verra après, hein. S'ils en sortent des plus beaux. Mais j'avoue que sous l'eau et tout ça, ceux-là, ils sont vraiment beaux. Il y a des petits réglages à faire pour les avoir bien, mais en plus, tu peux les régler un peu comme tu veux. On aura un côté qui sera complètement sécure. C'est quand même la bonne nouvelle. Bon, il m'en reste. Ça va aller, ça. Je me rappelais plus du tout que j'avais ça à faire. Dernière. C'est bien, hein, le fait que ça soit ouvert et qu'on voit un peu ce qui se passe partout, c'est cool. Ça change un peu des tunnels qu'on a l'habitude de faire dans le nether. Par contre, je me demande s'il y a des... Quoique les trucs qui spawnent là et... Comment dire, les... Enfin, c'est... Les ghasts. J'en ai plus. Bon, j'en ai plus. Bon, bah, il y en a plus. Alors, quand il y en a plus, il y en a plus. Bon, du fer, j'en ai plein. Je vais essayer de voir quand même s'il me reste pas un peu de blackstone. Parce que qu'est-ce qui me reste? Il me reste juste des dalles, non? Peut-être pas fini tous les coins? Je me rappelle plus. On va voir. Ah d'accord, c'est pour les handicapés mentaux. D'accord. Bon, c'est vrai. Les shaders, c'est bien en hiver. Faut dire à Z que c'est beau le nether, ouais. D'accord, je lui dirai. Oui, c'est vrai que avant. Même moi, j'arrivais pas à jouer avec les shaders avant. J'arrivais pas à construire avec et tout. J'avais besoin de. Qu'aujourd'hui, j'arrive vraiment à construire avec et tout. C'est trop bien. Il me reste un petit peu des slabs, mais vraiment pas assez. Ça, j'en ai plus besoin. On va ranger tout dans la boîte. Dans la boîte. Là-dedans. Là-dedans. Ok. Oh, ils sont pas contents parce qu'ils n'arrivent pas. Mais, ok. Ça, je sais pas pourquoi j'ai ça. Je m'en sers pas. Ça, je vais le laisser ici en attendant. Et mon under chest.
Je vais le garder sur moi, l'Under Chest. Oh, crotte. Je préfère l'avoir sur moi, l'Under Chest. Et pareil, ça, les Shroom Light, j'en ai plus besoin non plus. On va les ranger. Alors, nous reste-t-il de la Blackstone? Alors déjà, c'est ce qu'on va faire. Pendant que je passe devant et que j'y pense. Incroyable. Passant... Combien? Ah, j'en ai, ça dépend. Un, deux... Touch. Et tac, sandstone. 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 Sandstone, j'en ai combien? J'en ai 3,5, c'est embêtant. Bon, ben, on va laisser celui-là. Et on va faire cuire le reste. Touch. Vous avez le temps de cuire, les gars. C'est pas pour tout de suite. C'est pour plus tard. Voilà. Donc ça, c'est bon. On récupère notre truc. Voilà, comme ça, quand on regardera dans les fours, on aura de la smooth. Fondant. La smooth. Fondant. Ok, donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Paf. Il a eu chaud, le petit. J'ai failli l'écrabouiller, disons. Ok, ça c'est bon. Les Shroom Light, on a dit qu'on pouvait les ranger également. Paf! Ça c'est fait aussi. Ça c'est ce qu'on a tout à l'heure. Ouais, quand je vous disais qu'on en avait plus, je rigolais zéro. Hein. On en avait plus. Donc ça c'est bon. Divernaiser d'ailleurs. Divernaiser. Divernaiser. Vernaiser. Bon. Ça c'est bon. Blackstone. Alors Blackstone, je sais pas ce qu'il nous reste. A pu. A pu Blackstone. En plus, il m'en faut pas des masses. Quelle heure il est? 59. J'ai 10 minutes pour aller en farmer et après, on fait le tracé au sol du manoir. Faut descendre. Je veux juste faire un truc pour être sûr. J'ai pas envie. Potion of Healing. Non. Potion of Fire Resistance. Oui. Voilà. On va la prendre là. Au chaud. On récupère ça. Ma pioche. Ouais, ça va. Attends, au pire, je prends l'autre. Au pire, je prends. L'efficiency. Celle qui est là. Voilà, comme ça. Pour miner, ça sera mieux. Pas besoin. Parce que là, c'est la Seal Touch. Ok. Ma Seal Touch, ouais. Ça ira. Ça ira. Allez, bon, on retourne dans le désert. Faut que j'arrive à retrouver. Bon, là, il y a les champignons bleus, donc logiquement, ils y vont pas. Dans mes souvenirs, les amis, on était descendu par là. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais je crois qu'on était descendu par là. Alors par où exactement? Voilà, c'est de la lave partout, c'est pas possible que j'étais allé par là. Qu'est-ce que c'est que ce Vince? J'avais un pied de forteresse ici, moi. Je m'en rappelle plus du tout. Lol. Je me rappelais plus du tout que j'avais un pied de forteresse par là. Comment je descends moi du coup? J'ai des élytras, vous me direz. J'ai mes élytras, j'ai des fusées, j'ai tout. Ça fait toujours un peu flipper ça. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de place pour descendre et puis... Continue. En vrai, on peut peut-être descendre par le pied de la forteresse. Non, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de lave par là. Après, je me rappelle plus. Oh, il y a beaucoup de lave. Hein. Je suis pas du tout rassuré. Là, c'est un bon point de repère. C'est un bon point de repère.
Je vais mettre torche pour me rappeler que... Enfin, pour me rappeler. On va essayer de se rappeler. Parce que la Blackstone, on va la trouver dans les profondeurs. À quelle couche? 14 ans, on avait farmé la netherite. De toute façon, je vais peut-être retomber sur ma grotte, en fait. Ça, je serais même pas étonné. Faut avoir la chance, juste la chance, de pas croiser de lave dans la descente. C'est juste le seul truc. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Dans ce cas-là, faut partir dans une direction. J'ai l'impression qu'il y a de la lave partout, en fait. Crotte de biche. Ah, peut-être pas par là. Si. Ça va être de la lave absolument partout, c'est ça, le truc. Crotte de nez. Et par là aussi, pareil. C'est pas bon. It's no good. Bon, désolé pour les tournicotos. Faut qu'on descende en couche 14. On est en quelle hauteur là? On est en 44. Ah ouais, on est en 44. Je suis en combien là? 38. En vrai, faut pas descendre de trop. D'ailleurs, je peux creuser avec celle-là. Je suis en combien là? 31. Il faut quand même descendre encore. Hein. Pas possible là, je suis combien là hein? 26. Il n'y a pas de la lave partout, partout, partout quand même. Bon, il faut partir tout droit sur une certaine distance et puis prier pour qu'on n'ait pas de lac de lave trop loin. Ah, peut-être à gauche. On va peut-être avoir du bol. ...24, ah ouais, faut redescendre encore. Hein. Puis en plus, regardez sur quoi on arrive direct. Sur de la Blackstone. Et ben voilà, on est sur un de mes couloirs. Lol. Ok, super. Super, super, super. Voilà, je sais pas si je vais... Bah, du coup, on retrouvera peut-être la sortie. On retrouvera peut-être la sortie, voilà. Là, c'est les endroits où j'ai farmé... Où j'ai farmé la netherite. Et du coup, on arrive directement sur de la Blackstone. Moi, je dis, ça le fait. C'est plutôt cool. Tout est calculé, tout est calculé. Sinon, au pire, je pourrais remonter par là. Au pire. Voilà, je mettrai une torche ici hein, pour se rappeler. Au pire, on remontera là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Oula. J'avais dit d'utiliser l'autre pioche. Je te jure. Quelle tête de linotte sur moi, lui. Ouais, mais je l'utilise pas. La minimap, en vrai, j'essaye d'être au maximum en vanilla. La minimap, je l'utilise vraiment pour me repérer des endroits que j'ai vraiment déjà explorés. Parce que sinon,
Après, tu sais, tu peux même en fait explorer les cavernes et tout en faisant ça ou je sais pas quoi, mais. Donc du coup j'essaye vraiment de. Voilà, d'être le plus legit possible en fait. Pour pas me gâcher mon plaisir de jeu. C'en est là-bas, ça? Ouais, c'en est. Donc, faire les trucs un petit peu à l'aveugle, c'est bien aussi. Tiens, il y en a un peu là. Sinon, je sais pas pourquoi. Je vais absolument utiliser ça. Combien j'en ai, hein? Ça se peut, j'en aurais peut-être assez. Ou pas. Ça, c'est bien hein, de pouvoir. D'avoir des trucs, des grottes déjà toutes faites. Entre guillemets, hein, entre guillemets. L'avantage de commencer à construire uniquement quand tu as des bons outils, et ben en fait après t'as pas mal de trucs qui sont bien, comme ben, des cavernes comme ça. Effectivement, ben, tu peux farmer facilement la blackstone, les machins, d'autres trucs. Voilà, c'est cool. Ok. Ouais, je pense qu'on va être bon. À mon avis, Blackstone, on va pas être mal. Combien on en a? 3 stacks et demi. Ouah, ça va aller. Par où c'est la sortie? J'en ai aucune idée. Par où je suis rentré? Ah, là-bas, là-bas, là-bas. Je me suis posé la question une seconde. Où suis-je? Où vais-je? Où je concombre. Je vais juste en prendre un tout petit peu là. Voilà. Attention. Hop là, il y avait de la lave. Pas trop la lave par ici. Faut que je m'habitue. Toujours un peu peur de farmer au-dessus de sa tête. Un beau filon là. De toute façon, s'il y a besoin, on sait où venir. C'est farmé relativement vite. J'entends de la lave, donc je ne vais pas faire trop les idiots bêtes. Hein. On est bon là, on est bon. Alors, d'où qu'elle est la sortie? Ah bah tiens, elle est là-bas. Ah bah tiens, on va voir où est-ce qu'elle était ma sortie. Elle est là-bas. Ma vraie sortie que je me rappelle, pour essayer de se rappeler. Ok, bah là on peut pas louper. Hein. Regardez, je l'avais juste là. Voilà. Ah, c'est là. On va voir où est-ce que ça arrivait cette histoire. Bon, je suis désolé pour les tournicotos. Oh, c'est joli ça. Un peu de panthère. Hop. J'en avais fait des tours et des détours. Oh, je me serais pas rappelé de tout ça. Oh, je suis perdu. J'ai une mal de mer. Je vais vomir. Non, je rigole. Alors, donc là, on est bon. Ça remonte encore. C'est histoire sans fin. Voilà, salut Yuri. Salut Avigali, Help Your Girl, bienvenue à toi. Tiens, si ça t'intéresse, je suis en train de refaire Jérusalem au 1er siècle. Ah mais lol, pourquoi c'est fermé? J'ai fermé. Ah, c'était au bord de ma maison. Oh mais parce qu'elle est... Oh, mais c'est au bord de la maison! Voilà. Est-ce que ça passe, là? Oui, plus ou moins. Alors, attendez, on va faire... Hop, hop.
Oh, il y en a, c'était du tenon, il y en a un délire. Voilà, bah c'était là la descente. On sait pas quoi, on va la laisser. Faudra juste qu'on s'en rappelle. Qu'il y a une descente ici. Oh bah trop bien. Ah oui, c'était vraiment... c'était vraiment au bord, quoi. Incroyable. Ok. Bon, on a récupéré ce qu'on voulait. Du coup... quelle heure il est? Les 12. Ouais, j'aurais pas le temps de le faire. Alors, ce que je vais faire, ce que je voulais absolument avec vous, les amis, vous montrer où est-ce que je vais faire le manoir. Donc, on a de quoi faire. Hein. On a des projets, on a plein de trucs, c'est super. Je suis en train de penser en parlant de ça. Je peux pas le dire, mais... Pour ceux qui suivent Alps, vous allez avoir une grosse surprise bientôt en stream. Vous allez voir ce qu'il est en train de vous préparer sur Enshrouded. Ça envoie du pâté. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Alors, par contre, pour le manoir, je vais être obligé de virer des trucs. Parce qu'il va commencer là. Ah oui, donc je vais être obligé de virer ces bois-là. Bon, c'est pas grave. Ça, c'était pour les sapins et tout. Donc, on va virer ça. On va virer ça. Voilà. Je vais laisser ce truc-là en attendant. Je vais le laisser. On va virer cet arbre-là. Ok. On va virer cet arbre-là. Voilà. On va se dessiner ensemble les contours à quoi ressemblera un peu le manoir, vous allez voir. À la louche. Hein. Alors ça, évidemment, ça va sauter. Ouais, il y a des arbres qui vont sauter là. De toute façon, ça tombe bien, du bois, on va en avoir besoin. Hein. Donc, de toute façon, hop là. Et puis c'est tout. Lui, voilà, c'est un support. C'est un support. Il y en a encore beaucoup là. Ça, c'est du sapin de Noël. Hein. Encore le sapin qui est dans mon jardin. Bon, que je vous le montre un jour. C'est le. C'est pas le premier, je crois que c'est le deuxième sapin de Noël quand j'ai habité ici. Sauf que comme je suis venu habiter là où je suis en 1995, ça veut dire que le sapin de Noël est là. Ouais, il n'est pas tout jeune. Quoi. 15, 25. Ouais, il a 28 ans le sapin de Noël. Ça, c'est. Sapin de Noël, ça. Il faut des saplings, là, les gars. Faut que ça donne les saplings. Ça, j'en ai 4 de hoc. J'ai pas de sapling de... C'est pas sympa, ça. Il m'a donné zéro sapling de jungle. En même temps, je les ai fait pousser que par... Ça aurait été du 4x4, ça aurait été bien mieux. Alors ici, on va percer là. Le sapin de Noël, il est plus grand que toutes les maisons du coin. Vous êtes calmes, les amis. Très calme. Ah si, si, ça marche, ça marche, ça marche. Je me dis mince. Mon chat ne fonctionne plus. Des fois, ça marche. Salut, Basimovic. Welcome, come. 1, 2, 3. Je serai dans les bras. Hop. Voilà, ça c'est cool. J'aime bien qu'on est comme ça, qu'on voit les petites vues sur les bâtiments. Ça va. Prendre son temps un petit peu. Crotte de biche.
Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il va falloir... On va lui donner un coup de main à lui. Hein. J'avais pas une roue dans le temps, si. J'ai mes outils à réparer ici. J'ai fait une ferme à or, mais enfin, je dis, mais alors, qui prépare les outils à une vitesse de dingue. Ok. Not bad. Ok. C'est good ça. Lui, je vais voir. On va se faire une avancée par ici. Ça va virer. Ça va virer. Ça aussi. Voilà. Nice. Regardez un peu, ça c'est sympa. On vit à notre cire. Ouais, à mon avis, les sapins qui sont là, à mon avis, ils vont pas faire long feu. Alors, on vit à notre cire. Merci. Tenzazangetsu. C'est dur à dire. Merci beaucoup pour ton prime, c'est super gentil, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup, c'est adorable. Alors, nous allons faire un petit manoir, enfin petit, moyen, un moyen manoir. Un moyen manoir. On récupère un peu tout ce qui est tombé partout ici. Tout ça, ça va virer, hein, bien sûr. Si j'ai faim, c'est bien. On va manger la pomme. Voilà. Ça fait de la place. Bon, terrassement, tout ça. On essaye de pas trop toucher au terrain. On s'adaptera plutôt au terrain. Alors, par contre, il y a des trucs. Lui, à mon avis, il va jarter, lui. Hein. Parce que vu la place qu'on a là... Je vais me faire une grosse avancée de maison. Je regarde jusqu'à où je peux l'emmener. Je vais me faire une grosse tour centrale. Grosse tour centrale. Je pense qu'il faut que je commence. Là, on va avoir un bâtiment qui va être comme ça ici. On va avoir une grosse tour centrale qui va être incrustée dedans, là. Et un autre bâtiment collé de ce côté-là. Et on rajoutera des igloos dans tous les sens. Je pense que ça va être sympa. Il faut quand même que ça soit pas trop bas. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a au-dessus, là. Bon, ça peut être smooth. Faut que je vire cet arbre-là. Là, comme ça. Allez, ça vire aussi. On va en avoir du bois, je te le dis. Hein. Ça tombe bien, ce que il va en falloir. Hop. Il va me falloir de la meule, il va me falloir pas mal de trucs. Purée. Par contre, j'ai pas du tout calculé la dimension de la tour par rapport aux détails que je veux obtenir. Faut qu'elle soit assez badass, la tour. Faut que la tour, elle soit quand même assez badass. Si je fais un bâtiment dans ce sens-là, derrière, il faudra faire une échauguette. Moi, je dis que la tour, il faudra qu'elle soit à peu près ici. Faut qu'elle soit collée contre le bâtiment. Alors, attendez, je regarde la place que j'ai. Là, je suis obligé de m'arrêter à peu près par ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
13. Là, j'ai 13. Voire même plus large que ça. Faut quand même que ça soit assez, assez costal. F4. J'ai un lit. Ouais, j'ai un lit. J'ai beaucoup de bras sur moi. Hein. Beaucoup de bras. Ça va, Mika? Sur téléphone. Alors, sur téléphone, c'est toujours plus compliqué. F4. Mode spectateur. Faut que je surveille mon corps, les amis, parce que c'est toujours embêtant. Alors, attendez, je regarde par rapport à mon château. Déjà, largeur de bâtiment que j'ai fait. Parce qu'un corps comme ça, c'est pas mal. Lui, il est bien, là. Cette épaisseur de corps-là, c'est vraiment pas mal. J'ai combien en bloc? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça fait 8 et 8, 16 et un 17 de large. 17 de large. Ça donne un beau corps de bâtiment. Bon, évidemment, il sera moins haut, hein, bien sûr, parce que c'est. Là, tu peux commencer à mettre pas mal de détails, tu vois. Donc, pour le bâtiment qui est là, on va dire que. On peut le faire avancer fastoche. Je regarde à peu près. Qu'est-ce que j'ai de disponible? Si on le fait commencer, là c'est pas mal. Un truc dans ce style. Il va aller plus loin, bien sûr. Mais corps de bâtiment comme ça qui va avancer. Crotte de bite, toi, t'as rien demandé. Putain, 17, ça fait beaucoup, hein. Ça fait quand même pas mal. Là, le bâtiment, faut que la tour elle soit à peu près là. Donc là, ça veut dire que je vais continuer un petit peu par là. En largeur, en vrai. Faut que je me laisse de la marge. Faut que je me laisse de la marge. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14. Déjà 15. Et 15, c'est déjà pas mal. Hein. 15 de large pour le bâtiment, on est déjà pas mal. Donc ici, hop. Voilà, ça sera notre corps de bâtiment qui va être par ici. Crotte de biche. C'est toi qui m'embête là, la petite fleur. Bichette. Ok. Voilà, donc déjà on aura un gros bâtiment qui viendra comme ça, je sais pas jusqu'où. Qui viendra comme ça. Alors là, faut que je pense que je vais avoir une tour qui va être là et un autre bâtiment collé. Collé contre. Bon appétit, Yuri. Ouais, ça va pas être mal. On va se faire un truc dans ce style, un bâtiment comme ça. Alors, faut qu'on ait la place de mettre des détails. Si je laisse 3, 3... faut que je calcule à peu près. Mettons là. 3, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On fera une grosse tour ici à peu près. La grosse tour, je la fais rentrer ou dedans ou. Ouais, je vais peut-être la faire rentrer dedans, ça fera plus joli dans le bâtiment, mais rentrer de combien? Le bâtiment continuera comme ça. Hein. La tour. Faut qu'elle soit quand même badass.
je peux la faire entrer dans mon 5 minimum. J'ai fait combien? J'ai fait 13 pour le truc, c'est ça? Et 15, j'ai fait 15, on est bien au milieu hein. 15 la tour, je vais pas la faire d'autant, on va faire 13, peut-être deux de moins que le bâtiment, ça sera déjà énorme hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, c'est pas mal. 7 11 12 13, voilà, ça ça sera la grosse tour. 3 5 6 7 8, voilà, ça, ça sera la grosse tour à son pépère. Ça, ça n'a pas lieu d'être. Ok. Voilà. Et le mur, là, il continuera. Le bâtiment, il continuera un peu derrière par ici. Là-bas, donc ça, faudra dégommer le sapin. Ça, c'est bon. Et on aura un autre bâtiment qui viendra... Purée, ça passe trop, vite. Très légèrement décalé par rapport à la tour. Peut-être décaler deux comme ça. Un petit bâtiment comme ça. On peut l'emmener genre jusqu'à là, à peu près. Juste tendu, toi. Jusqu'à là, c'est bien. Ouais, c'est bien. Bah, à peu près, quoi. La louche. Comme ça. Puis on le fera un peu plus petit. L'autre, il fait 15. La tour fait 13. J'ai mis combien d'écarts là? J'ai mis 2. On peut le faire coller jusqu'à la tour. Genre aller jusqu'à là. C'est pas mal. Faire un truc dans ce style. F3. Comme ça là on pourrait mettre une grosse cheminée qui dépasse et tout ça. Ça pourrait être assez sympa. F4 pour prendre de la hauteur. Qu'est-ce que ça raconte comme bâtiment? Ça fait pas trop balèze? Non, en vrai, ça va. Je pourrais peut-être monter un tout petit peu là, comme ça on mettrait peut-être une autre tour. Une autre tour ici pour surveiller l'entrée qui serait là. On pourrait faire une entrée, une entrée genre par ici. Donc on verra ça, comment est-ce qu'on gère le truc. L'entrée de ville. Ou alors carrément, faire carrément un passage. On pourrait faire une arche. Une arche avec une entrée genre par là. Bon, de toute façon, à mon avis, je suis pas sûr que ça va rester ce truc-là. Mais on se fera un truc dans ce style. Non, je pense que ça va pas être mal. Je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Voilà, bon, grosso modo, hein, ça va donner un petit manoir dans ce style. Mais en fait, qui montera quand même pas mal. Surtout la tour, en fait. Je crois que la tour, elle domine un peu le village. Et qu'on se fasse un truc. On pourrait faire une entrée arche. Ça pourrait être joli. Retracer un peu le terrain. Je pense que... Il y a des choses qui pourraient être assez sympas à faire. Voilà. Ouais, en 1.2 à l'échelle. Ouais. Bien sûr. Allez, les amis. Il est déjà 20h30 passé. Incroyable. Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait des subs, des bisous, des câlins, des tips, des bibits. Est-ce qu'il y a eu des bibits aussi hein? Bien sûr. Pas du dul, mais quand même, c'est gentil. Merci beaucoup à mes petits modos d'amour. Hein, quand je parlais de dul et de Lina, bien sûr. Hein, prenez bien soin de vous. On se retrouve demain avec Alps sur du Enshrouded
Et je pense qu'on va commencer à builder. Ah, quoi qu'il y a le donjon numéro 4. Oh, je sais pas si on aura le temps de le faire demain ou peut-être un peu mercredi. On verra. On verra avec Abs, on en discutera, on verra ça demain. En tout cas, on se retrouve demain au plus tard à 18h dans la joie et la bonne humeur. Restez avec nous parce qu'on va hoster quelqu'un qui le vaut bien. Des gros bisous à tous, un bon fin de lundi de Pâques à tous. Et bon courage pour cette semaine, pour ceux qui retravaillent et tout. Bon courage à vous. De la force, beaucoup de force à tous. Allez, des bisous. Restez avec nous. Restez avec nous parce que je regarde qui n'y sait, qui stream. Tac, alors je lance ça. Anax, ouais, mais je l'ai hosté vraiment tout récemment, Anax. On va voir, attends, on va voir. Qui c'est qui est sur Twitch ? Toc, 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 toc. Alors, sans compter tous les gens que je découvre en ce moment, parce que je découvre des gens qui font des trucs très sympas. Pourquoi ils ne m'affichent pas ce que je veux ? Ah, d'accord, parce que je me suis trompé de ligne. Ok. Alors, il y a Vernico, il y a Anax, il y a Edgit, il y a Millilune, il y a Keops, qui a vraiment pas beaucoup de monde, Keops. Bon, mon pépère, il a pas beaucoup de monde, Keops. Allez, il y a Keops. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas hosté et en plus il a vraiment pas beaucoup de monde et donc ça va lui faire plaisir. Alors du coup on va faire lancer un raid. Ça va lui faire plaisir. Il est tellement gentil. Je sais pas pourquoi il n'a pas plus de monde. Parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. Lancer le raid. Il est gentil comme tout ce garçon. Il fait des trucs sympas sur Minecraft. Alors attention, ça part. Bah ça part. Ça part dès que c'est prêt. Dès que c'est chaud, en avant. C'est parti mon kiki. Bisous à tous. Bon. Il y a un rond avec une croix. Qui part. À partir de ce rond, il y a un trait qui descend et qui fait une boucle à l'intérieur. Attends, parce que j'ai un raid. Merci, roi, merci beaucoup pour le raid. Merci, merci. Je suis désolé, roi, oui. Coucou, ouais. Roi. Coucou, roi, merci beaucoup. Je suis désolé, on était sur Minecraft avant, j'ai oublié de remettre le titre à jour. Du coup, on est sur We Were Here. Salut tout le monde, salut à tous ceux qui arrivent. Voilà, on a un petit jeu d'énigmes aujourd'hui, on est avec Tulbar en vocal. Salut Lynn, salut. Ah. Et voilà, on joue un petit jeu d'énigmes ce soir, on change un peu de Minecraft. On met en place les lundis multi avec Tulbar. Donc ouais. Alors Tul, je suis désolé pour le coup. Faut que je répète, pas de problème. Alors attends, c'est donc le carré. Alors du coup c'est le carré où il n'y a pas de trait en bas. Ouais. Il y a un rond au-dessus du carré. Avec une croix dedans, dans le rond. Et de ce rond, il part un trait qui va dans le carré et qui fait une petite courbe. Ok, je l'ai. C'est comme une vrille. Voilà, ça c'est... Hop.